Salut, c'est Kenny Mani, ça joue, moi ça va, Pico Bellos, pas pour vous, c'est pareil. Et nous voilà dans mon appartement, en compagnie de Lego Marvel Super Heroes. Je suis enfin de retour, je vous expliquerai pourquoi je n'étais pas là pendant tout ce temps, pourquoi je n'ai pas fait de vidéo dans une autre vidéo, pas dans celle-ci, parce que celle-ci, ça va être tout simplement le début de notre nouveau let's play sur Lego Marvel Super Heroes. Un jeu que j'attendais énormément avec impatience, vu que j'adore l'univers des briques colorées. Et en plus, quand c'est un univers des briques colorées versus un univers que j'aime bien, les Marvel. Donc, je peux vous dire que ça va être tout simplement génialissime. Voilà. Donc, on va attaquer Lego Marvel Super Heroes. En plus, en avance sur notre temps, parce qu'il est censé sortir le 15 novembre. Oui, on est déjà en novembre. Ça passe vite. Voilà, nouvelle partie. C'est parti. Quelle blague. Voilà. On va écraser celle-ci. J'avais juste un petit peu commencé. En fait, le premier niveau du jeu, c'est le même qui est disponible sur la démo. Et ça, je trouve un peu con, mais bon, voilà. Donc c'est parti, on va voir cette introduction. Avec le surfeur argenté et Iron Man. Et oui, je suis en forme. Et on fait ce commentaire pour la première fois. Un let's play, s'il vous plaît. Donc c'est parti. Voilà. Désolé le surfeur. Mais t'as rien à faire ici. Et oui. Iron Man. Je détecte un vaisseau en approche. Attention, il va ouvrir le feu. Non, ne tuez pas le Iron Man. Ah, bah non. Ah, bah non. Finalement, c'est surfeur argenté qui est mort. Les briques argentées. Allez, tout va bien. Reçu un missile dans le fion. Ah, je sens qu'on va devoir les retrouver, ces fameuses briques. Ah, bienvenue dans le château de Harry Potter, à Poudlard. Ah, ça c'est briques. Peut-être pas. Cosmique. Je vais pouvoir régner sur le monde. Docteur Fatalus. Mais d'abord, je ferais peut-être mieux d'empêcher sa destruction. Ça aurait été bien plus facile si tu avais récupéré la planche intacte au lieu de la réduire en pièces. C'est à cause des Avengers. Elles sont géniales, les souris. Chic pour saboter mes plans à chaque fois. Ton plan reste néanmoins. Je vois qui pique la souris. Le mot est plutôt mal choisi. Dieu de la tromperie. Je préfère le terme spectaculaire ou encore remarquable. Oui, parce qu'il est fantastique. Chaque vilain, fantastique lui. Ah, là, on connaît l'homme de sable. Le Fatal Bazooka, ton tir aussi. Non, c'était pourri. Maintenant, silence. Nous devons localiser d'autres briques cosmiques pour alimenter mon arme. Ce sera fait, ô grande fatalité incarnée. Il est où ce rire méchant? Bon, les poulets, je les relâcherai pas avant que vous m'ayez donné les. Ah, ça buguait? Cosmique. Ah non, c'est lui qui a bugué. Pourquoi c'est pas moi qui dirige les opérations? C'est-tu pas un grand sable à la place du cerveau? Énorme blague. Il y a des énormes blagues dans ce jeu, de toute façon. C'est pour ça que j'adore ce jeu. Les blagues sont tellement pourrites, mais j'adore. C'est génial. C'est génial les jeux Lego avec leurs blagues pourrites. Ah, la pub pour le film Thor. Ça tombe bien. En plus, je l'ai vu le dernier film Thor. La gare de grande centrale à l'heure de pointe. Ça, c'est criminel. Certes. Il est vachement bien le dernier film Thor, franchement, allez le voir, il est même mieux que le premier, je trouve. Voilà. Il y a des jolies petites blagues, et des petites blagues à la con comme dans ce Lego en plus. Ça va bien. Voilà, on va incarner Iron Man. Il est là, l'homme en vert. J'ai déjà dit qu'il fallait regarder avant de sauter. L'homme en vert versus l'homme en sable. Et l'homme en jaune, l'homme en rouge. Bon, j'arrête, c'était pourri. Je sais, des méchants. Les gars du Shield pensent qu'il faut élaborer un plan d'attaque. Eh oui, on fonce dans le paquet. Dans le tas. Moi, ça me va. Bienvenue à New York, messieurs. Ah, c'est la tour Stark. Quelle attaque. On venait pas de nettoyer cette ville. Donc voilà, comme vous voyez, c'est vraiment le la même mission qu'il y a sur la démo, donc je la connais par cœur. Démolition. J'espère qu'on pourra essayer plein d'Avengers, pas seulement Hulk et Iron Man. C'est vraiment mon souhait.
Ce qui est bien aussi avec les jeux Lego, c'est que vous pouvez jouer à deux. Comme vous voyez juste à droite là, en appuyant sur F2, vu que je suis sur le PC et avec une manette, l'autre personne pourra jouer avec le clavier ou sur Xbox 360 ou sur une nouvelle console. Vous pouvez jouer à deux. Et ça c'est bien pour... parce qu'il y a de moins en moins de jeux qu'on peut jouer en coop ou à deux directement, voilà. Ça je trouve assez balèze. Donc on va changer de personnage. Parce qu'il faut qu'on pète tout cela. Voilà. Celle-ci aussi, je connais par cœur, hein, vu que j'ai joué deux fois à la démo. Maintenant, on va prendre Hulk et faire péter. Et faire péter le truc. Allez, dégage, petit homme de sable. Ah non, on a chopé le bout de caillou, c'est juste. Je pense que ça doit pouvoir se démo. Allez. Et maintenant, on a chopé le bus. Ça rigole pas. Redevenir normal, si tu calmes. Allez, c'est parti. On chope ce bus. Lâche-moi, Pauvignard. Y'a rien pour viser? Bon, on détruit un... voilà. Vous allez devoir un taxi. Pour entrer. J'ai pas peur de toi, mes munitions. Il a balancé cette voiture comme si c'était un jouet. Hulk, il est plus puissant. Allez! Voilà! Qu'est-ce que tu veux? Toi aussi, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que vous voulez? Démolition! Ah, y a aussi l'attaque claque. Voilà, c'est ça l'attaque claque, si vous voyez. C'est vraiment un jeu jouissif. Donc, je pense qu'on a nouveau pour notre ami Stark pour construire les objets. Voilà. Ah, ou détruire plutôt. Ah, là, il y a quelque chose à détruire. Vas-y, Hulk, protège-moi. C'est pour ça que c'est bien quand vous jouez à deux, il y en a un qui peut vous protéger et l'autre qui joue tout simplement, qui massacre les ennemis, donc voilà. Hulk, vas-y, soulève-moi encore ce camion. C'est parti. J'espère que vous aimez, en tout cas, que je fasse un let's play entièrement en face commentaire. Bon, beaucoup de gens qui me demandent à chaque fois en face commentaire, donc voilà. On va attaquer Stignard, voilà. Abomination, tu schlingues un peu, mon gars. Qu'est-ce qui va se passer? Voilà, tac. Le combat des titans. Allez, on matraque notre manette. Oh, va te laver les dents. Ah, en pensant à ça, je me suis pas brossé les dents. Allez, foule une baffe. Boum, boum, boum. Le combat des titans. Oh non de Dieu. Ouh. Vol jusqu'à la tour Eiffel. Ah non, on est à New York. C'est parti. Donc si jamais le jeu il est disponible sur toutes les consoles, je crois, sauf les consoles portables. Voilà. Même les consoles nouvelle génération. Il est là, l'homme de sable. Qui a un grain de sable dans le cerveau. Je vais vous donner un coup de main. Coup de... Ah ouais. Jolie blague. Coup de bas. Ok, donc je pense qu'il faudra tout simplement balancer ça. Bandignard. Non! Je me suis trempé. Ah voilà. Pour devenir à Bruce Banner. Non, j'ai pas besoin de revenir à Bruce. Ça qui est bien en fait quand vous avez Hulk, c'est que vous pouvez revenir à sa version normale, quoi. Il est humain tout simplement. Et ça c'est vachement cool, vous verrez par la suite, hein, parce que je connais le début de la mission vu que c'est la même que la démo. Ça qu'on va aller passablement vite. Passablement vite plutôt. Là. Hop. Bam. Dégage toi, Pauvignard, crains-moi. Qu'est-ce qu'il faut faire ici? Ouf, un train. Un train prévu va bientôt entrer en gare. Les petits hommes de sable, venez les amis. Mission! Je pète un plomb avec Hulk. Donc, je me rappelle plus ce qu'il faut faire exactement. Il faut faire sûrement quelque chose. Ah, peut-être il faut que je massacre juste les ennemis, je crois. Boum. Ah non, il faut juste les tuer en fait. Fallait dire plus tôt. Voilà! Bah c'est fait.
Ah, il fallait juste faire ça. Je me faisais chier à trouver la solution. Allez, on va péter les plombs. C'est cool, hein. Moi, j'aime bien. Et c'est limité en plus. Donc, ici, normalement, c'est là qu'on doit utiliser notre ami. Ok. Mur pas gentil. Moi, crétin. Très profond. Voilà. On a pété ça. Et maintenant, on doit construire un canon à eau, je pense. C'est parti. Voilà. J'avais oublié cette petite partie là. Voilà. Donc maintenant, il faut tout simplement asperger tout ça. C'est parti. Allez. Envoyez la flotte. On va jouer au pompier. Pompier Iron Man. En plus, il est rouge, donc pas une pompier quoi. Maintenant, on prend Hulk et on aplatit ce mur. Non, pas avec des briques. Aplatis-moi ce mur. Oui, t'as plein de poussière dans les cheveux. On s'en fout. Voilà. Il est raide. L'homme de sable va péter un câble. Ou va péter un. Non, c'est bon, j'ai arrêté les blagues. C'était pourri. Voilà qui sort de l'ordinaire. On va tout simplement péter ça. Allez, on pète tout ça. Voilà. Je pense à partir de là qu'on va construire quelque chose. J'étais sûr. Voilà, c'est pour ça qu'il faut toujours jongler entre les deux personnages. Voilà. Avec ça, on peut exploser ce petit muret avec Hulk. C'est parti. Boum. Et la forteresse, elle est bousillée. La forteresse de sable à deux balles. Ou à deux grains de sable. J'arrête, c'est pourri les blagues. Bon, j'arrête les blagues, pas envie. Pour ce let's play, j'arrête les blagues. Ouh. Ah ouais. Faudra que j'aille au bugle à pied, on dirait. Oh, on a Spider-Man maintenant. Je dois me frayer un chemin. C'est parti. Avec Spider-Man. Spider-Man, Spider-Man. C'est quoi ce pouvoir d'électricité? C'est Thor qui arrive. J'espère qu'on aura Thor aussi. Ça risque d'être balèze si on a Thor aussi. Spider-Man. Ah, les Avengers. Vous avez vraiment chic pour semer la pagaille. Hey, je venais juste de le changer. Non, la tour Stark est bousillée. C'est parti, maintenant on est trois super-héros. Et pas des moindres. Il y a l'homme araignée. Ah, je savais que ton nom était partout, Tony. Mais trop, c'est trop. Il faut couper l'électricité. Ah, c'est balèze ça. Peur, dès que j'aime me saboter. C'est comme dans la démo. Bah, j'ai la démo, je l'ai faite en fait. C'est pour ça qu'il y avait la même chose. Voilà. On a trouvé par où escalader. Il chatouille, j'espère qu'il chatouille pas trop les fesses. C'est parti. Une tour en moins. Voilà. Je vous ai dit que j'allais faire assez rapidement vu que je connais assez bien. J'ai fait la démo. Juste avant, j'étais bloqué deux fois là-bas parce que j'avais un petit blanc. Normalement, on doit aller aussi de l'autre côté, péter quelque chose. Ça, je crois qu'on a pété avec Hulk. Hulk, voilà. Ça. Ou ça se pète pas, je sais plus. Non, non, je confonds avec une autre mission alors. Non, non, c'est bien Spider-Man. Hop. Je sais quoi, on a pété autre chose ici. Mm-hmm. Bon, si je m'appelle. Voilà, c'est bien ça. Encore mon sens d'araignée. Qu'est-ce que c'est ? Spider-Man, qu'est-ce que c'est ton sens d'araignée ? Qu'est-ce qu'il t'a dit ? Là. Mon sens d'araignée. Y a-t-il quelque chose tout près? Là, c'est bon. Oh, B. Voilà, on tire. Heureusement qu'il est là, Spider-Man, pour nous aider. Voilà, ça c'est fait. Maintenant, je pense que l'autre côté, on doit aussi. Ah, ça brille, je crois qu'on a tout pété. Voilà. Je pense qu'en pétant tout ça, ça va nous aider, ou pas du tout. Non, on a juste ramassé des boulons. Je me demande si on prend un autre personnage en fait, si on garde les mêmes pièces. Ah oui, on garde à chaque fois les mêmes pièces. C'est juste un truc. Laisse savoir.
Donc c'est vraiment par personne. Là, il y a quelque chose à construire pour toi, Mr. Stark. Non. Allez, construis-moi ça. Je sais pas qu'est-ce que ça peut être. Hein? Ah, c'est un petit truc pour que Hulk défonce tout ce bazar. Comme d'hab. C'est parti. Boum. Voilà, je savais qu'on devait aussi défoncer cette cette turbine. Donc voilà, le finish pour Spider-Man, je pense. Voilà. Ah ah. Wouhou. Avec la magie de Spider-Man, il y a tout qui apparaît. C'est trop drôle. Vous voyez rien, mais grâce au sens de l'araignée, vous voyez des choses. Ça, c'est marrant. Ah, on s'est créé un petit chemin. Par contre, c'est dommage que c'est pas comme dans Lego City Undercover, que c'est en monde ouvert. Bah, je sais pas si c'est seulement les premières missions qui sont comme ça. Après, on a le monde ouvert, mais j'espère que oui, quand même. Bah, ça serait bien. Pas que ça retourne aux mauvaises habitudes des anciens Lego, que c'était pas en monde ouvert. On verra bien par la suite. Il faut qu'on trouve un moyen de détruire cette chose. Mais en tout cas, pour l'instant, c'est vachement sympa, quoi. Ah, là, on doit y aller. Voilà. Et là, je pense qu'on doit prendre Hulk. Ok. Pour monter en haut. Et pas en bas. Ah, ah, je pense qu'il Hulk, il n'arrive pas à monter vu qu'il est trop lourd. N'oublie pas que tu peux redevenir normal. Oui. C'est pour ça qu'on doit se transformer en humain. Voilà, pour qu'il puisse escalader. Et maintenant, on se retransforme. Transforme-toi, Hulk. Ah, Docteur Banner. Voilà. C'est parti. Boum. En pétant ça, qu'est-ce qui se passe? Ouh. Plein de petites pièces. Ça, ça sent la construction. Voilà. Allez, Spider-Man, construis-moi tout cela. Peut-être un petit vaisseau. Un petit pistolet à eau. Allez, Spider-Man, asperge-moi tout ça. Ah, j'aime bien parce que le viseur il change aussi. Par rapport au personnage, c'est marrant. Je sais que t'as soif. Bois, mon petit, bois. Même les cœurs sont d'argent. Bois, je sais que t'as soif. Il fait chaud. Le sable, il est chaud. Donc il faut refroidir tout ça. Ah, bah merde, notre pistolet à eau, il est un peu bousillé. Ah ah, ça, ça sent quelque chose pour Hulk, ça. C'est parti. En plus, il est excité, ça se voit. Non, on se calme, Hulk. On se calme. Oh, voilà. Boum, badaboum. Et voilà, on l'a bousillé. On est les meilleurs. Ah, merde. Je crois que c'est pas fini. Eh ben non, on s'est trempé. Les attaques de ce type sont trop rapides. Oh, tu parles d'une plaie. Oh, je la sens. Ah, il y a encore quelque chose ici. Qu'est-ce qu'il y a là? Wow, encore quelque chose à construire. Avec Hulk, on peut rien construire. Comme il est con. C'est parti, on construit avec Spider-Man. Boum. Et voilà, on a un nouveau repos Hulk. C'est toujours Hulk qui finit le truc. Qui a le finisher, quoi. Oh merde! Dis pas qu'on a reconstruit cette machine. Ah non, c'est bon. Vite, vite, vite! Avant qu'il nous attaque. Boum! Voilà! Cette fois-ci, tu es mort! Ou presque! Ou je ne sais pas. Ah, je crois pas. Il faut le finish. Allez, Hulk! Encore un petit coup comme tu les aimes. Boum! Des briques à la poubelle! Ça va devenir une déchetterie, la tour Stark. Vous m'avez eu cette fois, mais vous allez goûter à mes points. Oh merde, ce n'est pas fini. Ce bonhomme en sable, en briques. Ce bonhomme Lego en sable. C'est drôle quand même. La forme du bonhomme en Lego. Mais vous avez du mal à saisir le message. Allez, fais-moi saisir ton message. Moi, je vais te détruire, espèce d'ignore. Qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse maintenant? Faut qu'on attende, je pense, l'occasion pour frapper. Ou peut-être on a provoqué. Boum. T'as lui balancer des trucs. Non, y'a rien. Y'a rien à faire, bizarre. Ah, je vois quelque chose pour Spider-Man. Là-bas au fond. C'est parti.
Spider-Man, Spider-Man. Allez, mon petit Spider-Man. On compte sur toi pour nous sauver de cette situation périlleuse. Alors, t'as défoncé tout cela? Ok. Qu'est-ce qui se passe en activant cela? Je pense que c'est avec Hulk qu'on a... Ouf! Spider-Man, j'ai cru qu'il était mort. Je pense que Hulk doit péter ça. Oh non! Merde! Non, Hulk! Pourquoi t'es mort? Heureusement que dans les Lego, on meurt jamais. On perd juste des briques. Et oui, c'est pour ça que j'adore les Lego, parce qu'on meurt jamais. Peut-être Iron Man. C'est Iron Man, je pense. Oui, c'est lui qui doit détruire tout cela et activer la dernière poignée. Et voilà! C'est pour faire exploser le réservoir d'eau. Et Iron Man aussi, il est mort! Alors, en faisant tout cela, j'ai activé quoi en fait? Il y a quelque chose qui est apparu. Alors, on a activé. Ah, Spider-Man, on va prendre. Non, Banner, t'es de nouveau mort, t'es en briques. Bon, faut que j'arrête de perdre des briques. Qu'est-ce que c'est? Allez, Spider-Man, c'est toi qui aura fini cette fois. Go! Allez, à la douche! Prends-moi une douche, mon petit vilain. Tu dois puer de... Ça fait un bail que tu t'es pas douché. Ah! Merde. Hulk, fini, je pense. Ouais, comme d'hab. Allez. Ah! Finis-moi tout cela. Dégomme l'homme de sable. Voilà. Boum! Je pense que cette fois-ci, c'est bon, il y a la cinématique. Et bam! Un coup de poing dans ta gueule. Avec Hulk, on ne baline pas. Et oui, l'homme de sable. Tu vas finir dans un bocal. Coulson, prends cette brique cosmique et apporte-la au labo des 4 fantastiques pour analyse. Ah, on aura les 4 fantastiques. Ça va être génial si on les a. Hulk, est-ce que tu pourrais m'aider à dégager la voie? Haha, il fallait juste le dire. Vous appelez ça une brique cosmique? Ces briques viennent du surfeur volant de l'autre fois. J'ai ordonné à Reed Richards de découvrir pourquoi tout le monde veut mettre la main dessus. Merci pour ton aide, Spider-Man. Hulk qui balaye le parterre. Précieuse. Bon, je suis pressé là. J'ai un contrôle de trigo demain. Je dois aller chercher des œufs pour ma tante et je suis mort d'angoisse. Ah! Comme ça, c'est mieux. Je me disais, nettoyer de cette façon-là pour Hulk, ce n'est pas tellement normal. Je sais pas, j'aimerais le savoir et sûrement pas. Tenez, il retourne dans la tour Stark et essaye de me dégoter des infos. Hulk, il a tout fait. Il a empilé tout ça comme des Playmobil. Ah non, faut pas parler de Playmobil, on joue au Lego. Pas parler des ennemis jurés. Donc voilà. Ah, on a tout ça comme personnage. Oh my god. Nom de Dieu. Ah, purée, il y a combien de personnages? Ah, mais ils sont pas tous jouables. Ah, d'accord. C'est juste des petites vignettes à débloquer. Vous imaginez si c'était tout jouable, tous ces personnages-là? C'est pire qu'un jeu de combat, quoi. Pire qu'un jeu de voiture, quoi. Là, je sais pas combien de persos il y aurait, là, quoi. Alors, est-ce qu'ils s'en sont bien débrouillés? 70%, c'est pas trop mal. On a dû ramasser un petit peu plus de briques. On fera tout cela pour le prochain épisode, je pense. Stanley en danger. Oui, on a trouvé Stanley. Voilà, 2 briques en or. Continue l'histoire, les amis.